Donald Trump a fait ce que tout nouveau président fait, c'est-à-dire qu'il a commencé par féliciter son adversaire, Hillary Clinton, en disant « elle a travaillé dur, elle a droit à notre reconnaissance ». Ça, c'était dit et c'était normal. Ensuite, il s'est adressé aux Américains qui n'ont pas voté pour lui et qui, il le sait, peuvent être très 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 inquiets de ce qui va arriver maintenant. Donc, il leur a répété qu'il serait le président de tous les Américains. Et puis, il a eu un message d'espoir aussi en disant que rien n'était hors de portée, que les oubliés ne seraient plus oubliés et que des millions de personnes auraient un travail à nouveau. Comment ? Eh bien, il promet de relancer des grands travaux, les écoles, les routes, les hôpitaux à reconstruire. Et il promet de doubler la croissance économique aux États-Unis. Alors, la question est, peut-on lui faire confiance ? C'est rassurant parce qu'il a compris que l'Amérique était sortie divisée de cette campagne très violente, peut-être une des plus violentes que ce pays ait jamais connue. Donc il a compris qu'il y avait un besoin d'apaisement, un besoin d'espoir, un besoin de calmer le jeu aussi. Maintenant, Donald Trump, on l'a vu ces derniers mois, est capable de dire tout et son contraire. Son programme est très flou. Il a beaucoup joué sur les provocations, donc comment va-t-il se comporter une fois au pouvoir? Il ne l'a jamais exercé, c'est pour ça que ses électeurs ont voté pour lui, mais c'est peut-être aussi une de ses limites.